Bonjour YouTube, on est encore là, je suis accro à ce jeu, c'est fou. On est actuellement dimanche 30 juillet, 22h31, donc je commence ce stream plutôt pour jouer à ce jeu justement. J'ai envie de péter des culs, de saboter des bouches, enfin bref, plein de trucs. Plein de trucs, plein de trucs, je sais même plus où on a été. On avait un combat. Ah oui! Putain, on avait le combat contre Rabbi Jacob, là, je sais comment il s'appelle. Je peux pas le voir ici, merde. Parce que si je clique là, je lance le combat. On a le combat contre le mec Eroge, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui nous a insulté de débile et qui nous a pris de haut là. Qui a l'école de l'endurance, je crois. Donc il va être à résistance, ce con. Donc allez. On court un peu, le temps passe, mais c'est pas grave. On a de la thune ou pas? Je vois pas ma thune. Ah si, la thune est là. Très bien. On a un peu faim. Est-ce que j'ai des choses à manger? Oui. Il me reste 4 heures avant que le combat commence. Très bien. Vas-y, on va puncher un peu ça. On va dormir un peu. Je veux vraiment être full énergie, vraiment, je veux lui péter sa daronne. Clairement, 15 minutes, bouc. Voilà, full énergie, full bouffe, on n'est pas full vie malheureusement. Et ça sera largement suffisant contre... Ah merde, c'est pas contre Aesop, c'est contre le T-800 encore une fois. Ah oh, mais ça change tout, je vais péter la gueule une fois, je vais lui péter la gueule une deuxième fois. Ah putain de molette à la con. Allez! Oh, molette 2! Pardon. Vraiment, cette souris, je l'ai depuis... Oh, ça fait bien 6 ans que je l'ai. La souris, ça fait bien 6 ans que je l'ai. Le casque, ça fait bien 10 ans que je l'ai. Va falloir changer tout ça à un moment donné. Hein. Va falloir changer tout ça. Bon. Donc, on est contre le T-800. Je crois que c'est le Terminator, le T-800. Qui fait partie de l'école du Taekwondo. Donc, l'école d'agilité. Il est basé sur l'esquive. Donc, il faut que je lui... empêche d'esquiver. Voilà. Et je vais lui mettre des marrons dans la gueule. Donc 13 d'esquive. Enfin 13 d'agi, je veux dire, c'est vraiment pas mal. Est-ce que je lui fais passer en force? C'est-à-dire je prends plus de dégâts, mais je lui fais perdre de l'initiative. 14 de dégâts. Ah oui, donc il met les gros coups là. Oh, on va faire comme ça. On va jouer blocage là-dessus, tu sais quoi? On va le laisser s'épuiser parce que là, il a des gros coups. Donc on va le laisser s'épuiser et je vais lui mettre des jabs. Des jabs et des jabs et des jabs. Voilà, je vais lui mettre que des jabs. On va voir ce que ça donne. C'est parti! Bam! 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 Oh, le 44! Pff, je lui ai mis. Oh, c'est blocage que je lui ai mis! Oh, allez, bim, bim! Ok. J'ai bien joué, j'ai très bien joué, parce que du coup, il m'a pas mis ses gros coups. Donc là, il a un gros coup, un petit coup. Très bien. Il a qu'une esquive, mais du coup, c'est pas grave. Et on va... il régénère plus 16 d'énergie. Je suis à 68, il va... Enfin, je vais passer à 68, il va passer à 41. Donc je suis aussi devant en termes d'énergie. Donc le combat est complètement remporté. Ah merde! Je viens de capter un truc. J'ai mis les jabs, j'ai mis full jab. Mais les jabs, ça dépense des points. Bon, par contre, je l'ai ouvert en deux, quoi, en fait. Oui, et du coup, les jabs, ça prend un truc de... J'allais vous montrer avec le doigt. Je suis con. J'allais vous montrer avec le doigt. Ça, oui, ça prend des points spécifiques, le jab. Donc, c'est pas bon. Ça prend les points qu'il y a là et les tonus. Du coup, là, avec... j'ai dépensé un tonus à chaque coup. J'allais plus, quoi. J'allais plus du tout. C'est vraiment pas bon. Hop. Voilà. Très bien. On est bien. On est bien, on est bien. Prochain fight, on sait pas contre qui c'est. Je pense que ça va être Aesop bientôt. Hein. Très très bientôt Aesop. Hein.
Du pognon, on en a à 137. On a découvert qu'on pouvait aller à l'ancienne demeure de Mick pour récolter des points de... Comment ils appellent ça? Des points de... Merde. Ils vont pas mettre le nom. Mais les points de... Yeah! Les points de vieux trucs, quoi. Ok. Et là j'ai quoi du coup? J'ai le brise-genou qui arrive, mais c'est le brise-genou, c'est coup de pied. Je veux pas de coup de pied. Bon. Moi je veux que des coups de poing. Je veux le direct test. Ah ouais, mais encore une fois, c'est un truc qui coûte du tonus. On a le crochet qui coûte du tonus aussi. C'est très bien ça. Donc là, ça va être que des coups qui demandent du tonus, quoi. Ah, c'est tellement dommage. Ah non, je suis dégueu. C'est pas grave. Parce que du coup, ça veut dire que j'ai plus d'attaque. Ok. Un peu dégueu. Du coup, si les arbres, c'est juste ça, ça veut dire que j'ai quasiment terminé les arbres de combat. C'est un peu décevant. Mais c'est pas grave. Donc on peut soit aller à l'ancienne demeure de Mix, on peut aller travailler bien sûr. Lui il veut des AirPods. Mais j'en ai pas. On va aller à... On va aller là. Est-ce que j'ai quelque chose à faire là-dedans? Non, j'ai rien à faire. Très bien. On va travailler. Pas forcément pour avoir du pognon, mais pour avancer la promotion surtout. Inscription accessible. Ah, c'est contre Aesop. Eh ben c'est parti. Vas-y. Vas-y mon gars, je vais t'ouvrir le fiac en deux. Tu m'as pris pour un débile, je vais te prendre pour un débile. Les nouilles, ça te fera pour aujourd'hui. Ouais. Tac, ailleurs. Il faut que je trouve caser aussi. On va aller voir du côté des égouts. 210 balles. Ah, nouveau truc, très bien. On va aller là. On va sûrement avoir un mec de la résistance là. Un mec à la con. Ouais, c'est les mêmes que ceux de Raphaël. Oui, donc on a trouvé les nunchaks, on a trouvé les kunai. Les trucs. Bah où est-ce qu'ils sont tournés maintenant? Halt! Qui va là à cette heure de jour? Excuse-moi, je cherche. Il n'y a aucune magie ici. Ah, mais tu n'as même pas eu le temps de... Disparer! Ah. Finir. Si tu te trouves sur le territoire de la Résistance, toute intrusion entraînera les poursuites. Bah écoute, j'ai juste besoin de passer par là, enfin je crois, c'est plutôt important. Évidemment, c'est ce qu'ils disent tous, et puis ils se mettent à installer des tours Wi-Fi partout. Et puis ils inventent des théories farfelues comme quoi la Terre serait ronde. Il me semble effectivement qu'elle est assez... Et puis ils nous plantent leurs aiguilles partout, histoire d'éviter que l'on meure de leur maladie. Hein? Finis les intrus, je te défie en duel. Ah ça, je comprends ça. Et du coup, on avait les ratons ninja derrière. Alors, bah, c'est somme toute très classique, j'ai envie de dire. Il bloque, très bien. Vas-y. Bloque. Bloque, mon pote, je t'en prie. Vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, bloque, je suis là. Voilà, tu l'as bien bloqué, celui-là. Ouais, t'as quand même pris 25. Hein. Wouah! Il m'a mis deux patates à moins 40. Ok. Putain, il m'investit cher. Par contre, ouais, il se vide l'énergie à une vitesse. Très bien. Donc là, il s'est enlevé deux attaques. Ah oui, il avait la... Ah, putain, les patates qu'il met! Ouais, mais il pourra pas les mettre.
Il pourra pas les mettre parce que ça lui demande trop d'énergie. Très bien, je continue comme ça. Il faut qu'il parte en full écho, mais comme je tape dans l'énergie, il pourra jamais taper. Voilà, il met une patate. Et derrière, je mets KO. Ouah, Taïgura. T'es mal à Taïgura. Oh, il reste un HP, vas-y, finis-le. Voilà, merci. Mange tes dents. Mange tes dents dans ta gamelle d'alu. Tu découvriras jamais nos secrets de toute façon. Oh, le gravot, et ça. Ok. Ouais, c'est les mêmes que ceux de Leonardo. Il y a un truc pour nous ici. Bon, j'ai plus trop d'énergie. Je peux pas... Je peux interagir avec ça? Ah ouais. Est-ce que j'ai eu le café sur moi? Par hasard. Oui, café, café, café. Let's go, triple café. Je peux rien faire avec ça? C'est sûr et certain. En fait, c'est des éléments du décor trop décorés, je trouve, pour que ça soit rien. Je pense qu'il faudrait que j'y revienne pour quelque chose. Ouais. Ok, là on a des AirPods autres. Donc le gauche, j'imagine. Les AirPods, ouais, bon, voilà. J'ai complété la paire. Très bien. Enfin, quasi, cet endroit est un véritable labyrinthe. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon plan consistait à lancer un mouvement souterrain. On peut considérer qu'il a fonctionné, même si ce n'est peu que littéralement. Dis bonjour à Bill, au fait. Bonjour, Bill. Comment allez-vous? C'est un crocodile mutant vétéran assassin. Toute une histoire. Qu'est-ce que c'est pas une soirée mondaine? Oui, oui, de quoi as-tu besoin? J'ai réparé l'appareil de Mick. Félicitations, Pessy. Mais il y a un mot de passe. Ce ne serait pas Punch Club? Ben, j'aimerais bien le savoir, c'est ça ou pas? Si ça ne marche pas, essaye en rajoutant 2 à la fin. Mais attends d'être de retour chez lui pour essayer. Tu risques d'avoir déjà beaucoup de choses à expliquer, autant éviter de rajouter un crocodile parlant. Sans vouloir te vexer, Bill. Y'a pas de lézard. Ok. Oui, donc dans le 1, on affronte les tortues ninja. On peut les affronter sur des side quests. Sauf que ce sont des crocodiles. Voilà, ils sont là. On a les masques. Il fait un temps où l'un d'eux était à moi. Ok. Un authentique guerrier accepte ce qu'il ne peut pas changer. On peut se mettre ici pour se remettre un peu de vie, très bien. Je joue à la console, vas-y, je joue à la console. La musique, ça va être une ref. J'imagine que ça va être un jeu Tortue Ninja. Très bien, c'est tout ce qu'il y a à faire? Il y a rien d'autre à prendre? Comment se fait-il que je ne sois toujours pas barré en Crète? Aucune idée, gros. Aucune idée, gros. Allez, zouf. On se barre d'ici. Faut que je reprenne l'entraînement. On va aller sous le pont. Sous le pont, et si tu crois que t'es vide. Il y a une histoire, celle du gros lièvre et du chien. Un jour, un chien a aperçu un gros lièvre, et ils se sont mis à lui courir après. Ils ont fini par l'attraper et par le tuer. Mais ils l'ont tué de manière très cruelle et triste spectacle. Un triste spectacle avec du sang partout. La morale de cette histoire, c'est que le lièvre était gros. Ses paramètres ne lui permettaient pas d'avoir une chance de prendre la fuite. Mais vous, vous êtes en mesure d'y changer quelque chose. À condition d'y mettre le prix, bien évidemment. Vous commencez à apprendre la véritable essence des choses. J'ai pas envie de finir comme le lièvre, personne n'en a envie. Ok. Pour passer de la poésie à la prose, contrairement au pauvre lièvre, le seigneur est... Paix à son âme, j'imagine. Le seigneur est son âme et ses oreilles.
Tu peux redistribuer tes stats. Par exemple, prendre tes points en force et les réinvestir dans l'agilité. C'est important. Tu ne peux pas mettre des points. Tu ne peux mettre des points que dans le tonus d'agilité, pas l'agilité proprement dite. Cela peut s'avérer utile si un maigrichon force un peu trop sur la muscu au gymnase et se retrouve en surpoids. Comment ça? Il y a une notion de surpoids? Ah bon? J'ai trouvé tes AirPods. Voilà vos AirPods! Je vous perçois à présent comme un être valeureux. C'est bon, t'es content maintenant? Il ne peut plus vous entendre. L'intégralité de son être est désormais concentrée sur l'écoute de Ready to Die par Biggie. Ah, c'était la bonne époque. Donc du coup, je peux aller là-dedans. Oh, c'est juste un raccourci pour aller là? Oh, oh, oh. Je m'ai fait baiser. Bon, c'est pas grave. Putain, ça sert à rien. C'est quoi ce camion? J'ai pas été voir le camion. Monsieur Heisenberg, vous êtes là? Pas de réponse. Monsieur Heisenberg, vous êtes là? C'est qui, monsieur Heisenberg? Du coup, si je vais à la demeure de Mick, on devrait pouvoir faire le mot de passe avec le disque dur, etc., etc. Mais d'abord, on va travailler. Il faut que je m'entraîne aussi. Le combat est dans 2 jours. Le combat est dans 2 jours, j'ai pas besoin d'argent. Donc pourquoi je travaille? Aucune idée. Aucune idée, je devrais juste m'entraîner. Et on pourrait s'entraîner en plus, c'est ça le pire, c'est que on a de quoi s'entraîner. Ok, on va passer chez Apu, on va récupérer de la bouffe. On prend le bus évidemment, on a 268 balles. 400 balles la prochaine cassette. Eh ben, tu te fais plaisir mon petit. J'ai de quoi bouffer en fait. Hein. J'ai complètement de quoi bouffer. Est-ce que j'ai des bonbons pour maman? Il me reste 3, vas-y, on en prend. Voilà. On a pris 15. Donc c'est des bonbons pour droguer notre mère pour qu'on puisse sortir de la maison. Et qu'on puisse... Non, pas sortir de la maison, pardon, cuisiner. Il faut que j'aille au commissariat aussi. On est à 7h du matin. Le gymnase ouvre à 8h, fait chier. Bon, on va aller à la maison. On va bouffer. Pourquoi il y a des petites chaussures là? Pourquoi il y a des petites chaussures ici? Oh, c'était peut-être des petites voitures, je sais pas. Pardon. Pourquoi mon niveau à force a chuté hein, comme ça là Il est à 7 sur 15. Donc ça remonte très vite certes mais... Ah non c'est le tonus putain. D'accord, et si je perds le tonus, je peux plus gagner de la stat. Ok, ok, ok. Pour. Ok, très bien, je comprends des choses. Ça y est. Putain. Il aura fallu le temps, mais je les ai compris. Hein. Je les ai compris, je les ai compris. Ok, oui, très bien. C'est la régénération du tonus, mais la régénération du tonus est priorisée par rapport à gagner la stat en elle-même. Très bien. Donc si je dépense du tonus, derrière, il faut que je m'entraîne beaucoup plus pour la récupérer. Ok, ok. Dans 5 heures, je peux aller me battre. Et du coup, on pourrait terminer la Ligue Silver. Je préviens que, évidemment, en cas de défaite, je fais des pompes, hein, bien sûr. Vu que sur ce jeu, bah, les défaites, j'en ai quasiment pas. Si je perds, je fais pas 10 pompes, mais j'en fais 20. Il y a Bender ici, je viens de capter. De Futurama. Il y a des rêves partout dans le jeu. This is the eyes of the tiger. Is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival, our aura. Pas facile à dire. Je peux pas aller dehors? Très bien.
On va passer à 9 d'agilité, vas-y, tu sais quoi? Le combat est accessible. Il a faim. La bouffe, ça part tellement vite et quand tu t'entraînes, c'est fou ça. Hop, plus que 8 heures pour aller bosser. Et tout l'entraînement que je viens de faire, je viens à peine de récupérer, donc maintenant je peux enfin regagner des stats en force. Et je pouvais pas les gagner jusqu'à maintenant. Allez, on se repose un petit peu. Je veux être full énergie. Voilà, très bien. Et on va manger des nouilles chinoises. Pas des repas de... C'est pas de nouilles chinoises, c'est une pasta box, mais avec de la baveuse dedans, quoi. La baveuse, c'est quoi? C'est les énormes larves que je tabasse pour le métier. Pour le boulot. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va? C'est contre Aesope. Aesope de l'école d'endurance, hein, du coup. Après un blocage réussi, l'adversaire risque de perdre l'initiative. Ok. Bah ça tombe bien parce que le blocage, tu vas pas en réussir énormément. Crochet percute du 8, 17. Ouais, il a des gros coups quand même. Hein. Ouais, très bien. Il y a moyen que je le batte en vrai de vrai. Hein. Il a 9, 10, 13. Je suis à... Je suis à combien? Je suis à 15, 9, 13. Donc il a un poil plus d'agilité que moi, mais j'ai 5 de force en plus, quoi. Il a un point d'agilité de plus, j'ai 5 points de force. Donc il joue endurance, donc la force il s'en fout, en fait. Comme, comme moi, l'agilité, je m'en fous. Mais... Il va peut-être m'emmerder. Je viens de voir l'araignée grimper ici, du coup ça m'a rappelé qu'il y avait une araignée chez moi qui attendait que je détourne le regard pour m'attaquer furtivement. Allez, c'est parti. Misérable Pegno, tu as fini par arriver jusqu'à moi. Ne t'en fais pas, ce ne sera guère plus difficile que d'apprendre le chinois. C'est-à-dire élémentaire pour moi et impensable pour toi. Très bien, bâtard. Viens ici que je te saccage la gueule. Les chances de blocage, très bien. On lui flingue son énergie. Il a autant d'énergie que moi. Je n'ai pas toutes mes vies, mais... Ah, ça dépend de la force, les HP. Ah, ah oui, donc... Hein, moi, j'ai choisi de partir force endurance. Je vais être un buff, un énorme buff. Ok, très bien, très bien. Il a autant d'initiatives que moi, donc c'est cool. Très bien, donc il part sur quoi? Il part sur un énorme coup à 17. Il a deux énormes coups à 17, mais qui prennent énormément d'énergie. Sur des gros blocages qui prennent beaucoup d'énergie. Et il va essayer de flinguer mon énergie à moi. Voilà, ça va être un combat d'endurance. Manque de bol pour lui, je peux flinguer plus l'énergie que lui. Allez, vas-y, tiens, tu vas pas voler celui-là. Allez, boum! Et moins 29, moins 33, allez, tu vas faire quoi maintenant? Tu mets à moins 42, très bien, mais t'as plus d'énergie. Ah ah! Parce que oui, tu mets des énormes patates, certes. Oh putain, il met moins 42 quand même. Mais en termes d'énergie, t'es déjà HS. Et oui, mon pote. Donc là, t'as un gros coup et t'as un petit coup. Très bien, eh bien, je continue. Allez, c'est parti. Et bim, t'as bloqué, c'est bien, mais t'as plus d'énergie. Voilà, vas-y, hop. Hop. Oh dommage, j'ai pas eu le quatrième coup. Hop, vas-y, tape. Allez, tape. Oh, il a pas tapé. Putain, pourquoi il a pas tapé? Il a... il récupère 21 d'énergie. Ah, ça, c'est son truc de... C'est son... c'est l'Arpkido qui veut ça. Il récupère 21 d'énergie, donc il va être à 23. Moi, je vais être à 50. Donc, je suis toujours avantage. Vas-y, c'est parti. Bim. Et bam. Et bim. Et bim. Vas-y, tape. Non, du coup, il fait... Ok. Ah mais il a pas du mal d'attaque, j'ai pas vu. Ah, il a fait un bruit de robot quand il est tombé, non? Je rêve ou il a fait un bruit de robot? Bref, c'est pas grave. Kawabunga! Voilà une bonne leçon pour toi, pauvre Claude! Hein? Ah mais j'y crois trop pas. De toute façon, ça compte même pas. C'est pour du beurre. Et puis toi, t'es trop... basique, là. Comme combattant, tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais, t'es tout naze. Et j'ai l'impression que tu as dû endommager ces implants. Oups. Tous, vous êtes tous des nazes.
Il s'est méchamment fait sonner celui-là. Aesop, tout va bien? M'appelle pas comme ça, je suis Boubou tout dominou. Hein, y a les tours 5G dans les parages. Très bien. Chapitre 2. Bien assez grand. Ah mais du coup, est-ce que je peux toujours accéder aux quêtes du chapitre 1 ou pas? Voilà, exactement. J'ai toujours su que tu avais ça en toi, champion. Merci, Silver. Du coup, maintenant... Ah, on a reconnu la démarche. Maintenant, il serait temps de laisser les grands discuter, ok? Félicitations pour ton titre de champion, gamin. Merci, mais vous êtes... Ouais, vous êtes qui, monsieur Legrand? Et de quel droit venez-vous parler à bon champion? Tu peux m'appeler Oncle Barry. Mais vous pouvez cesser de m'interrompre. Je gère la meilleure ligue de toute la ville. Donc considère ceci comme une invitation. Tu as bien trop de potentiel pour continuer à traîner avec des amateurs. Passe me voir dans mon bureau dans le gratte-ciel lorsque tu te sentiras prêt à enfiler un short et de grands garçons. C'est, oui, la démarche, c'est Vince McMahon de la WWE. Tu ne vas quand même pas écouter ce clown, hein? On est des potes quand même, pas vrai? Mais j'ai trouvé plutôt sympa. Oh, arrête de me taquiner comme ça, champion, et reviens vite me voir, d'accord? Au revoir. Du coup, est-ce que je peux continuer à accéder à... Ok, chapitre 2 est là, très bien, mais je peux continuer à accéder ici. Hein. Donc je peux activer Mick, il faut que j'aille au commissariat. J'ai plein de trucs à faire, très bien. Zouf, commissariat. Donc l'oncle de... Il est là, le truc. Commissariat, c'est parti. Il faut que j'apprenne les lois pour devenir flic. Bienvenue, tu es là pour étudier les lois de la police. Ouais. Comment sont ton entraînement? Voici ton bureau de cadet de la police. Le cours est divisé en 5 chapitres, tu dois les suivre un par un. Chaque chapitre est plus difficile que le précédent. Donc il n'y a pas vraiment de place pour le type qui fait du bruit, des bruits rigolos avec sa bouche en fond de la classe. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Tu peux commencer quand tu veux. Ok. Ah, très bien. Très bien, très bien. Donc c'est comme un boulot en fait. Ok. Donc comme le truc de Mick fait gagner des points nostalgie, on va dire. Ça fait gagner du SBC. Tu sais maintenant pourquoi nous avons besoin du SBC. Il nous aide à identifier ceux qui se conduisent bien et leur faciliter l'existence. Ce système est ce qui a fait le succès de la ville. Ouais, je sais. C'est littéralement ce que je viens de lire. Excellent. Continue comme ça. Donc là, on a le niveau 1. Très bien. Et du coup, grâce à ça, je pourrais... Bon. Débloquer tous les points que j'ai envie de débloquer. Par exemple, le coup poussé. On va faire ça. Je peux tous les apprendre d'ailleurs. Non mais là c'est pareil, ça va prendre que des points de... Ouais. Bon, j'ai remonté. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut que je passe à 10, enfin à 12 en agilité pour apprendre la voix du singe. Comme ça j'aurai toutes les voix débloquées. Et on pourra changer, switcher au fur et à mesure. Ok. Donc on peut level up ça. On va aller ici à la demeure de Mike. Et on va activer Mike. Allez, on verra bien. 9 lettres et un chiffre plus tard, donc Punch Club 2. J'ai une de ces dalles, moi. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une bonne petite pizza? Mick, je suis vraiment désolé de devoir vous annoncer ça, mais les pizzas n'existent plus. Et qui c'est que t'es censé être, toi? Eh bien, je suis le type qui vous a sauvé. En fait, votre corps est mort, mais votre esprit a pu être sauvegardé dans... Épargne-moi tes salades, gamin. Je suis un vieux con transparent qui flotte au-dessus du sol. C'est mieux, je te vois. Y'a pas tortillé, je suis un fantôme. Vous êtes un hologramme. Le quoi? Je suis mort, pas débile. Vous êtes un souvenir de Mick stocké sur un disque dur.
Je suis un spectre qui répand la terreur dans les cœurs de ses ennemis. Un fantôme n'existe pas. Bouh. Oui, vous êtes un fantôme. On est dans mon gymnase, où sont passés tous mes magnifiques trophées. Cet endroit a été votre gymnase, mais le temps ne l'a pas épargné. Eh bien alors, tu attends quoi, remets-le en état, hop, hop. Ok, ok, et la gratitude, il connaît pas. Ok, ne panique pas, mais... Vous êtes conscient que cette phrase a en général pour résultat de provoquer l'effet inverse? Je crois que t'as été maudit. Hein? Je vois un ombre scintiller au-dessus de ta tête. Ne t'en fais pas, je connais le bon marabout. Oh mec, c'est mon SBC. Et qu'est-ce que c'est ça? Mon score est de bonne conduite, plus il est élevé, plus on est considéré comme quelqu'un de bien. Et comment on gagne des points? En remportant des combats de ligue, apparemment. Donc le seul moyen de s'améliorer consiste à rétamer quelqu'un d'autre? Vous connaissez vraiment un marabout? Bah oui, comment espères-tu te débarrasser des verrues autrement? Alors comment mon vieux gymnase s'est-il retrouvé dans un état? Il a probablement dû être abandonné. J'en chie pour mélanger les voix, c'est tout qui se mange dans ma tête. Personne ne l'a repris, les gens ne font plus gym. C'est pas comme si vous l'aviez légué à quelqu'un. Il y avait un type, il te ressemblait beaucoup maintenant que j'y pense, mais il a disparu. Ouais, c'était mon papa. J'espère peut-être, j'aurais dû peut-être le mentionner plus tôt. Ah, que le monde est petit. Je suis désolé, petit, à propos de la disparition de ton père, je veux dire, mais je suis quand même triste pour le gymnase. Ok, donc on peut réparer le gymnase si on veut, vas-y. C'est parti. Allez, on paie. Ça fait de l'entraînement, il y a tout qui vient là, pouf, la force, l'agilité, l'endurance, tout. Allez. Ça demande que du temps, on s'en fout parce que la Ligue de Silver s'est remportée, donc là je peux avoir une période de relâchement, on va dire, où je peux aller farmer le pognon, je peux aller faire toutes les histoires et toutes les... Promotionner une Ligue. Silver a organisé une dans son gymnase. Oui, donc je peux faire toutes les trucs d'histoire que j'ai pas fait. Et puis une ligue professionnelle à la télé, ils combattent en haut d'un gratte-ciel. Ouais, rien en arrière-boutique. Tu sais bien, dans le genre discret. Des combats de ninja? Purée, petit, je veux dire illégal. Aucune idée. Et puis, qu'est-ce que c'est cette histoire de gymnase Silver? Eh bien, ils proposent des systèmes de neuro-entraînement, des entraînements à RV, des massages. Neuro-entraînement? On rentre dans une capsule et on regarde des rêves d'entraînement. Mais c'est quoi ces conneries? S'entraîner, ça veut dire suer à grosses gouttes en manipulant des machins dangereusement lourds. Et j'ai encore une partie d'ancien équipement de mon papa. Laisse tomber, on va tout acheter. On va acheter du matos tout neuf. Le matos dont vous parlez, il est probable qu'il ne soit plus fabriqué depuis longtemps. Mais je pense qu'on devrait pouvoir trouver quelque chose à la déchetterie. Est-ce assez illicite pour votre goût? Les gens bazardent de l'équipement en parfait état. En parfait état? Et ils vont rêver qu'ils font de la gym à la place. Tu parles d'un futur. Dommage, les fautes de frappe. Parce que c'est... je sais pas s'il est français le jeu d'ailleurs. J'ai aucune idée, mais un peu dommage. Attendez, j'ai les réponses. Il n'y a pas de soucis. Ok, hop. Donc on va jouer à LoL après, mais après, bien sûr. Donc on peut... c'est bon, c'est fini. Non, je peux continuer à rétablir ça s'il faut. Je peux aller aussi à la déchetterie. Qu'est-ce qu'on aura à faire? Qu'est-ce qu'on aura à faire? On a aussi commissariat. Il est 17h, c'est à quelle heure les nouilles? Je sais plus à quelle heure c'est les nouilles. À 19 000, il est 18h55! Te fous pas de ma gueule!
Pour 5 minutes, je suis obligé de changer de zone et de revenir, quoi. Il se fout de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Bon, bah, on prend le bus, allez. Tu te fous de ma gueule. Tac. Tac, j'ai plus de bouffe, super. Allez, commence à travailler, vas-y. Et quand j'aurai plus, quand j'aurai sommeil, je prendrai du café. Parce que je suis drogué à ça. J'espère que le compresseur marche bien, parce que je parle très fort, je le sais. En fait, des honorables nouilles. Oh putain, ta gueule. Il y a des accents, vaut mieux pas que je les fasse. Bon, tac, tac. Triple café, on repart. Pas pour longtemps, mais on repart. Parce que jusqu'à 7h du matin, je crois, voilà. Les nouilles, ça se fera pour aujourd'hui, repasse à 19h quand on aura de nouveaux clients. Ok. Donc, c'est fait, faut que je repasse sur la poule pour refaire le plein de bouffe parce que je me suis ruiné pendant ces quelques jours, là. Tac, j'ai plus de thunes, très bien. On va aller taper des baveuses. C'est parti, donc on aura bientôt la dernière promotion. Donc là, ce que je vais faire avant d'accéder à la ligue de l'immeuble et tout ça, je vais d'abord finir toutes les quêtes secondaires, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, mais du coup l'autre m'a coupé un petit peu dans mon élan de blabla. Et puis voilà. Allez, j'ai faim, donc on rentre à la maison. En bus, évidemment, on perd pas de temps. On se repose un petit peu. Et c'est parti directement. Hop. On va voir combien il me faut aussi pour lui acheter des trucs. J'ai rien à récupérer là, donc il faut que je lui achète, hein, c'est ça. Bah non, même pas. Pas touche à Willy. Très bien. Il y a rien. Hein. Enfin, si, il y a des trucs là, mais je peux pas les récupérer. Très bien. Bon. Non, j'ai rien d'autre, c'est genre, c'était vraiment ça, ouais, y a pas de truc. Ok, zou. On va refaire des pâtes. Les nouilles, c'est l'avenir, c'est moi qui vous le dis. Ça paye pas beaucoup les nouilles, hein, clairement, mais bon. Très bien, à 19h quand on aura de nouveaux clients. Si je vais à la ferme à Bobo, il sera 9h10, on y va. On enchaîne les travaux. Les travaux. Le travail. C'est pas aussi. Ok, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça se fait en 2 jours, c'est ça? J'en fais 3, 4, j'en fais combien? J'en fais que 2. J'en fais 3. Sans le logiciel pour travailler plus vite, ça prend du temps. Hein. Ça prend clairement du temps. Il va falloir que je mange un morceau. On va à la maison, en bus. On va manger, on va s'entraîner un petit peu parce que en voie de vrai, je suis en train de perdre beaucoup, je pense. Ce serait bien que je ne perde pas trop. Quoique, je suis pas sûr que les stats descendent. Hein. Oh, de vrai. Allez. Ok.
peut-être passé à 16 en force. Hein. Incroyable. On va passer à 16 en force avec le tapis de course. Incroyable. Et peut-être 14 endurance. Ok, très bien. Et il a très faim. Ok. J'ai déjà plus de bouffe. On va dormir. Il est triste. Il est très triste. On va aller voir Silver. On va se faire entraîner. C'est parti. Donc j'ai le méga coup de pied qui fait de gros dégâts, mais c'est un coup de pied quoi, j'ai pas envie. On va y aller nature, tu sais quoi. Allez hop, 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 42. J'ai mis les trucs en trop qui servent à rien, donc au deuxième round on va enlever tout ça. 43. Ok, on va le mettre KO. Je vais enlever ça et ça. Ça sert à rien. Je pense qu'on le met KO. Ok. J'ai plus d'énergie. Un coup de plus, allez. Ah, il y aura 5 HP. Je veux le mettre KO. On va y arriver, je pense. Du coup, il est content parce qu'il a combattu. Vu qu'il est content, on va pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Voyons voir, qu'est-ce qu'ils ont. Donc le marathon, le match de boxe ou gymnastique aérienne, très bien. Ok, très bien. Et c'est fermé du coup. C'est un petit échauffement à 4 $ là. Hop, voilà. Allez. Du coup, je suis un petit peu épuisé. Est-ce que t'as pas les trucs à m'acheter toi? Enfin, à me vendre. Je vais pas pouvoir les acheter, oui. Pourquoi? Parce que je suis full. Voilà. Et je vais t'acheter. Plutôt ça. Des barres protéinées. Allez, c'est parti. $128, où est-ce qu'on va? On va faire des nouilles. Et après les nouilles, il faudra que j'aille faire à Pou. Voilà. Ça va être ça la VOD, hein. J'en suis fait l'épisode en tout cas, ça va être ça. On a fait une grosse partie du contenu, donc. Enfin, du contenu, chapitre 1 en tout cas. Je sais pas combien de chapitres il y a. Il va y en avoir 4, peut-être, 3. Le jeu va être relativement rapide. J'ai faim, ok. Pas de soucis. J'ai des barres protéinées. J'avais prévu le coup. Et oui. Ok, ok. Bon. Sur ce, j'ai 185 balles. Il faut que je passe chez Apu pour aller faire de la bouffe. J'ai tout gobé. Dès que tu t'entraînes, ça demande énormément d'argent. Parce que t'as besoin de bouffer énormément. On va se prendre un petit soda pour être heureux. Parce que on n'est pas très heureux là. Il est 7h du mat. On va aller à la ferme à Bobo. Parce qu'à partir de 8h du matin, on peut faire les baveuses. On y va à pied pour être dans les temps. Sinon, sinon on ne peut pas. Et on va se prendre le petit soda. Voilà. On va taper les babes. Il faudra 2 jours pour avoir la promotion. Et on aura terminé le. Entre guillemets, l'histoire de ce métier-là. Ok. Petite barre protéinée. J'ai plus beaucoup de thunes. Hein.
Allez, si tout meilleur, ça va être l'heure, donc on s'en va. On va manger. Et on refait des pâtes. Allez. On y va en bus pour pas perdre trop de temps. Que je puisse avoir le temps de travailler quand même. C'est parti. Ouais, comme j'arrive tard, j'ai pas le temps de faire le shift entier. Hein. J'en fais deux, puis c'est tout quoi. C'est-à-dire que là, il me faut encore deux jours. Hein. Ouais. Il me faut encore deux jours pour faire ça, très bien. Et le bonheur est, le bonheur prend cher hein, quand il arrête de combattre. On va peut-être installer le logiciel des blagues. Hein. C'est quoi le logiciel des blagues? C'était lui, je crois. Hein. Oh yeah baby! Ah, pardon, c'est pas ça l'accent. C'était oh yeah baby, j'ai tout ce qu'il te faut, hein? Allez. Suivant, donc 1$ par jour, très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Ok, il est 7h du mat. Si je vais ici, il sera 8h40. Démarrer de bon pied avec Keklol. Dans la vraie vie, vous êtes un authentique maître Shaolin, mais dans Punch Club 2, vous n'arrivez pas à remporter la Ligue Silver? Bah si, c'est fait. C'est parce que dans la vraie vie, vous n'avez pas de neuro-entraîneur. Achetez notre logiciel d'exercice optimisé au gymnase Silver. Ce communiqué d'informatial n'est pas une publicité sérieuse. Et puis, c'est moi qui ai écrit ce logiciel. Bonne journée. C'était nul. En tout honneur, bien sûr, mais c'était dégueulasse. C'était pas drôle. C'était... Ouais mais je pouvais cliquer sur la promotion, j'ai pas fait gaffe. $28.42 de bouffe. C'est pas dégueu. C'est clairement pas dégueu ça. Hein? Allez Zou, au club. In the club. Allez, 4 shifts, on va en faire 2,5 ce soir, donc on va en avoir 3 je pense. Parce qu'on arrive un peu à l'avance. Frais de logiciel 1$, je sais, je sais, je sais. Ouais, il nous restera un shift à faire. Hein. Putain, le bonheur, je suis en train de bouffer trop cher. Je suis en train de bouffer trop cher. On va aller se foutre sur la gueule avec Silver. Viens mon pote. Nouvelle blague est arrivée, très bien. Il me faut une blague, vite. Vite, une blague. Démarrer les pompiers avec Keklol. Donc on est au rouge, hein, voyons voir. Que dit un cyborg après l'amour? Vous pouvez maintenant retirer le périphérique en toute sécurité. J'ai rigolé. Ah là, le smiley m'a terminé. Autant pour moi. Allez, vite. Allez, vas-y. Fight. On sera à court d'endurance, on pourra pas le down, mais c'est pas grave. On est là pour se battre, hein. Vas-y, je te mets des pains, j'ai plus rien à foutre.
Full endurance, je pense que je le bats. Très bien, effet bonheur plus. On est content. Oh oui, on est bien content. On est bien content. Ça me remet pas de l'endurance, donc vas-y. Est-ce que je peux t'acheter, s'il te plaît, des boissons énergétiques? Ouais. Ça coûte cher, hein. Heureusement que j'ai du pognon à plus savoir quoi en foutre, parce que, hein, clairement. Il y avait autant de brouillard avant? Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Il faut que j'aille au commissariat, faut que j'aille faire aussi la ferme à Bobo. À Bobo. Puisqu'on a la promotion. À faire. T'es au courant de ce que le patrouille frontalière a fait hier, papa? Oui, une vraie source d'inspiration. Tu sais quoi, on devrait les remercier pour le service rendu. Je pourrais préparer un repas spécial gratuit, un truc qui redonnerait la pêche à ces braves policiers. Excellente idée, je vais leur envoyer un livreur. Ça va pas, non? Il est de notoriété publique que l'entreprise de livraison n'est pas fiable. Hé, hey, le cogneur de baveuse. Oui? Tu pourrais faire une petite livraison pour nous? Aucun problème. Prends ce repas spécial et livre-le au pont. Ça me laissera du temps. Le temps de songer à une éventuelle promotion pour toi. Quelques temps baveux et gastronomiques plus tard. Très bien. Ok. Donc le pont, c'est un flic qui va vouloir se bastonner. On est au courant. Le pont, je crois que je peux y aller que le soir, de toute manière. Est-ce que ça augmente le bonheur? J'ai pas l'impression. Très bien. Hop. Allez, on peut aller au pont. Je suis pas full énergie, ça m'embête un peu. C'est pas grave. Ceci est une zone réglementée, jeune homme. Indiquez-moi immédiatement la raison de votre présence. J'ai un cadeau pour vous de la part de Bobo et ses fils. Un cadeau, vous dites? Oui, pour vous remercier de vos bons services. Voyons ça. Bien que succulent, le repas ne s'avérera pas en mesure de combler. Vous transmettrez mes remerciements à Bobo et à ses fils. En fait, il n'y en a qu'un seul. Ah! Cette puissance brute. Ah, je vois le truc arriver. Ok. Le flic a pété un plomb. Il a en passé en force, très bien. Bah, tu sais quoi? Pareil. Pareil. On a le même build, mais je suis juste meilleur que lui, en fait. J'ai juste moins d'endurance parce que je suis plus fatigué, mais sinon... Sinon, voilà quoi. Donc il a ça, qui lui prend de l'énergie pour rien parce que je tente pas de bloquer. Et je vais lui faire ça pour lui faire consommer de l'énergie en plus. Enfin, quand je le tape, je lui fais perdre de l'énergie, donc c'est cool. Hé, allez, mange tes dents un petit peu. On a maîtrisé le passé en force. Très bien. Plus 10 de points, ouais. Oh, je sais pas vraiment ce qui m'a pris, mais merci de m'avoir aidé à me reprendre mes esprits, jeune homme. Mais de rien, ça me fait plaisir. Il est 21h20, on va aller faire des nouilles, même si on est fatigué. Et oui, on est fatigué, mais il faut quand même bosser. Hein. D'ailleurs, YouTube, parce qu'en fait, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'on enregistre ça aussi pour YouTube. Je crois que ça fait à peu près une heure pour toi que l'épisode a démarré, donc on va se faire ce petit shift là. Et puis... promotion, et puis après je vais te laisser. Comment ça vous l'avez perdu? Bah, je peux toujours vous faire des excuses si vous voulez. Évidemment que j'en veux. C'est à moitié allemand, ça. Non, j'ai changé d'avis. Je vais vous faire... Je suis parti sur l'accent allemand. Je vais vous faire perdre votre travail, petit malotru. Si seulement j'avais touché du fric à chaque fois qu'on m'a sorti ça, en fait c'est le cas. Un problème, chef? C'est brillant, jeune homme a perdu notre livraison de produits frais. Frais, faut le dire vite, quand. Mais vous allez la fermer. Je vais appeler... Pourquoi je pars sur l'accent allemand? Je vais appeler votre patron. Et ce numéro, je suis dans mon tel au contact papa.
Je peux vous trouver vos produits en échange d'une nouvelle promotion. D'accord. Mais débrouille-toi pour être de retour avant que les clients n'aient envahi le restaurant. Ok, donc là, il faut que j'aille chercher les égouts. Et puis bonne chance, hein. À votre place, je commencerai à chercher du côté des égouts. Mais c'est ça, ouais, tiens-toi. Très bien. Eh bien, écoute, YouTube, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Bisous à toi, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça te plaît autant à regarder que moi à jouer. Si jamais, parce que au moment où je tourne ça, le premier épisode n'est pas encore sorti, il sort après-demain sur YouTube, donc j'ai pas... j'ai cut, mais j'ai pas fait gaffe forcément dans les combats et tout ça. J'espère que ça ne sera pas pixelisé. Si c'est pixelisé, je suis désolé, mais dans ce cas-là, ce n'est que le téléchargement depuis la plateforme de Twitch. Donc à voir si je trouverai pas peut-être un nouveau moyen de télécharger les VOD Twitch, que, outre que passer par la plateforme de Twitch elle-même. Je verrai. Si jamais c'est trop dégueulasse. Là on en est, je pense, à l'épisode 7. Je pense que celui-là, ça sera le 7ème. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc sache-le, YouTube, si jamais... Bah non, mais revanche, c'est un peu con parce qu'en fait... Quand toi tu verras celui-là, ça fera 7 semaines que le let's play aura commencé. Probablement j'aurai déjà terminé, quoi. Bref. Bisous. À la prochaine, YouTube. Ciao.